Bonjour à tous les amis, c'est Serge le Chef, j'espère que vous allez bien dans cette toute nouvelle vidéo de retour sur Art of Iron et surtout de retour avec la France. Et vive la France mes amis, vive la France. Les amis, vous savez ce qui s'est passé pour la France en 40, c'était pas très drôle, pas très agréable. Mais nous, aujourd'hui, on va refaire l'histoire, les amis. Si la France n'avait rien cédé, si la France avait dit non depuis le début, est-ce que ça aurait pu inverser les choses? En gros, les amis, vous le savez, en 36, bah, c'est là où l'Allemagne va commencer à se militariser. C'est le début d'Art of Iron, il y aura l'Anschluss, il y aura la fin de la Tchécoslovaquie, tout ça. Mais si on avait dit non à tout ça... Ça me fait plaisir, c'est super, en avant! Si dès le premier instant on avait tout refusé, je parle notamment de la remilitarisation de la Rhénanie allemande, si on avait dit non. Non. On va partir en guerre avec l'Allemagne, mais est-ce que le plus tôt ne serait pas le meilleur? Est-ce que si on attaque très tôt l'Allemagne, on a une chance? C'est ce que je vous offre aujourd'hui dans cette vidéo. Donc là les amis, aujourd'hui nous serons fermes, nous ne céderons rien au peuple germanique et on va voir si ça marche ou pas. Donc évidemment, mode Iron Man, évidemment priorité historique de l'IA, c'est parti. Vous le savez les amis, en France, en 1936, c'était pas la grande joie, c'était pas la grande rigolade, c'était très tendu entre les communistes, les démocrates et tout ça, donc malheureusement il y aura une petite guerre civile, je crois que si on part en guerre contre l'Allemagne, et surtout qu'on a toujours tout ce qui est politique des unis, tout ça, donc le poids politique c'est une catastrophe. Bon gars, tenez les poils, je vous chasse. Vous plus pour moi. La France est bourrée de malus, les amis, sinon, vous voyez, on n'est pas français si on n'a pas de problème. Donc voilà, économie inefficace, tout ça, mais on s'en beurre aujourd'hui, les amis, on va voir ce que ça donne. Militairement, on sera moins bon que l'Allemagne parce qu'on a beaucoup moins de vies civiles, mais notre plus grande chance, nous, en tant que Français en 36, c'est le nombre de divisions, les gars. On est très nombreux partout, dans nos colonies, partout. Et ils sont là. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de votre parti. Ils sont sur les réseaux sociaux. Et on va tout ramener en Allemagne, on va tout mobiliser en France métropolitaine pour pouvoir s'arger le plus rapidement en Allemagne. Au niveau de mes productions avec 8 usines militaires, je vais pas pouvoir faire grand chose, donc la seule priorité, ce sera plutôt tout ce qui est fusil matériel de soutien, vraiment maximum, quelques chars légers et tout. Bon, voilà, hein, l'aviation française, elle sera inexistante malheureusement, donc faudra bien jouer. Be proud of you because you can be do what we want to do. La question que je me pose, c'est est-ce que les Anglais, est-ce que nos très chers amis les Anglais vont nous soutenir ou pas? J'espère que oui, sinon ça va être plus compliqué, mais s'ils sont pas là, c'est pas grave, on fera ça tout seul, on se débrouillera tout seul. Attention les amis, heure de concentration, heure de vérité, donc là la guerre va péter très tôt, puisque l'Allemagne en historique veut faire la Rhénanie rapidement, donc moi je vais me préparer à la guerre, et pour se préparer à la guerre, quoi de mieux que de dévaluer le franc? Non, je rigole. Lancer le réarmement. Ah ben non, je peux pas, merde. Puis la merde, l'industrialisation française, on gagne des infrastructures, mais on s'en fout, nous, on veut des usines civiles et militaires. Bon, bah tant pis, on va partir sur le front populaire, voilà. Ou alors le bloc national, peut-être. Gain de poids politique, plus 10, ouais, mais si je suis le bloc national... Le mieux, c'est le front populaire. On va rester historique, les gars, front populaire. Au niveau de mon industrie, on part à fond sur du militaire, les gars, il n'y a que ça qui compte, vraiment que du militaire. Là, je pars même pas dans de l'industrialisation, je pars vraiment dans la militarisation. Je sais pas ce que je peux faire, voilà, tout ce qui va m'aider à remporter la guerre doit être fait. Donc là, vraiment, on part déjà dans du matériel. Vitesse de recherche, je sais même pas, voilà, productivité, ça va m'aider. Ok, donc là, vraiment, hein, vous voyez, on est dans une optique de guerre, les gars, et très important, c'est vraiment ça le plus important, toutes les troupes coloniales rentrent au pays, on ramène la coupe à la maison, allez hop. Squadala, nous sommes partis. On a quand même 14 divisions en Algérie, les gars, c'est pas rien, si on ramène tout ça, ça pourra nous permettre peut-être de gagner contre l'Allemagne, encore si on joue bien notre coup. Donc là, vraiment, toutes les troupes dans les colonies rentrent en France, ça y est, hop, on quitte l'Indochine, on rentre en France. Je pense pas qu'on est ailleurs. Ou Djibouti, non, on n'est pas là. Ok, bon, bah, ça nous fait quand même plus de 20 divisions coloniales qui rentrent au pays. Donc là, c'est parfait. Hop, allez, hop, ça rentre. Au niveau de mon armée, là, faut vraiment prévoir l'armée. À l'époque, les amis, il n'y a pas la ligne de défense allemande. Nous, on a déjà la ligne Maginot, mais ici, c'est pas défendu. Donc, on pourrait tenter d'avancer au niveau de Sarrebruck. Faudrait que j'essaye de passer au char, ouais, de passer au char français. On va voir ce que ça donne et surtout prévoir des débarquements au niveau de Hambourg, tout ça. On coupe déjà la zone portuaire allemande, on coupe le ravitaillement. Vraiment, l'essentiel, les gars, ça va être de couper l'industrie allemande. Elle est autour de Berlin, mais elle est aussi beaucoup en Rhénanie, donc il faut qu'on avance en Rhénanie.
je place, on va voir ce que ça donne. Donc là, vraiment, mobilisation D36, les gars, hein, on s'y attend pas forcément dans une partie historique, ça n'arrive même jamais, mais là, on va tenter expérience. Donc là, hop, on regroupe tout le mécanisé pour passer à Sarrebruck. Mon aviation, par contre, ça serait une catastrophe, j'aurais pas l'aviation. Ouais, attends deux secondes. C'est pour ça que les Anglais seront importants, parce que l'aviation française, elle est très en retard à l'époque, elle est pas du tout là, hein, elle est inexistante même. Ok. Allez, avec De Gaulle, le mécanisé, hop. Que la percée s'effectue convenablement. On va se préparer à la guerre civile avec les troupes coloniales qui arrivent, et on va pouvoir préparer aussi tout ce qui va être débarquement en Allemagne. La marine, l'Allemagne n'aura jamais une marine aussi bonne que la nôtre, hein, surtout en 36, ils n'ont absolument rien. Encore une fois, les Italiens à surveiller, les gars, mais pour moi, ils vont rien tenter. En 36, ils sont pas du tout prêts non plus. Et s'ils sont prêts, bah ils s'en prendront plein la gueule. Donc, faut jouer vite, faut vaincre cette Allemagne très rapidement, les gars. Allez. Ok, on se prépare. Donc là, vraiment, l'offensive mécanisée est déjà prête. On manque énormément, les gars, de fusils. Hein. Il faudrait vraiment en avoir beaucoup plus, des fusils. Là, c'est une catastrophe. Bon, parfois, on se pète la gueule. Hein. Mais c'est drôle, quoi. Allez, qu'on comble le déficit, déjà, ce serait pas mal. La guerre civile, il me semble, dans mes souvenirs, que ça va être un peu dans le Limousin, Midi-Pyrénées-Aquitaine, peut-être, et surtout Nord-Pas-de-Calais. Donc, on va mettre des troupes à ce niveau-là. Je sais pas où je peux les mettre. C'est dans le Nord-Pas-de-Calais, la guerre civile, c'est ça? Ok, voilà. Et ben, on va faire le plan du noob, les gars. Mais on va encercler le Pas-de-Calais. Allez, hop, go. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Qu'on se prenne pas une mauvaise surprise durant la guerre civile. Venez, 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 venez. Dans quelques instants, les gars, tenons-nous prêts, le pire arrive. Ok, ouais, les Italiens, il n'y a rien du tout à la frontière. Mon aviation ne fera jamais le poids, hein, contre l'Allemagne, je viens de le dire, mais c'est pas grave. On regroupe tout ce qu'on peut, voilà, comme ça, si dans un premier temps, on peut speeder en Allemagne, il n'y a pas de problème. Voilà, j'ai aucune escadrille de réserve, ça fait un peu peur, mais c'est pas grave. Hop, on a encore d'autres avions ailleurs, ou pas, en Indochine peut-être, la flotte d'Indochine, non? Oui. Toute ma flotte est prête, on a vraiment tout ce qu'il faut. Allez Hitler, fais ta connerie, remilitarise la Rhénanie. Et nous on dit non, nous n'en tournons plus, on dit non. On en a marre de se faire avoir par ce moustachu au drôle d'idée. Voilà, allez, matériel de soutien, hop 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 hop. Et là les gars, d'accord, c'est un acte de guerre, nous devons rallier les Britanniques. Hop, voilà, c'est un acte de guerre les gars. L'Allemagne nous fait un acte de guerre, je peux déclarer la guerre? Non, pas encore. Soutien des Britanniques, oui, oui, je savais que les Anglais ne nous laisseraient pas tomber sur une telle question. En avant, on est en guerre contre l'Allemagne. Putain, plus on est prêt à passer, là on est prêt, go, 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 go. Quoi? On n'est pas en guerre, là? On va se foutre sur la gueule, nous. Quoi? C'est amer, enfin ta mère, je parle de l'amertume. Bah coup dur, l'Allemagne a cédé, c'est peut-être historique. Historiquement elle aurait peut-être rien fait, elle est pas prête. Merde, les salopards. Je pense limite même le mieux c'est de retenter, parce que là finalement on repart sur une partie tout à fait classique. À mon avis, on aurait peut-être pas dû avoir les Anglais avec nous, parce que vu qu'on a les Anglais avec nous, et bah je sais pas si c'est bon, mais en gros, là je pense qu'il va plus rien se passer. Parce que l'Anschluss, ils demanderont pas notre accord, ça va se faire annexer. Donc là il faudrait attendre jusqu'au Sudet, et ça nous fait partir en 38. Et là, finalement, on recircule dans un scénario assez classique, et le but, c'était de voir si la France pouvait gagner ou pas en 36. Donc je pense que le mieux à faire, ça va être de relancer la partie. Ok, bon bah attention, tentative numéro 2, je refais exactement la même technique, je reprévois l'offensive blindée de De Gaulle. Je vais replacer également des troupes au Pas-de-Calais. Hop, attention, parfait. Ok, d'accord. C'est un acte de guerre, voilà, hop, les Britanniques ne vous ralliez pas. Si la guerre éclate, nous devons faire face à une guerre civile en raison de notre gouvernement incohérent. On s'en fout. Mais non, mais y a pas de guerre qui éclate. Mais pourquoi y a pas de guerre qui éclate? Ils veulent pas les Allemands, mais c'est des gros schlags. Pas qu'on imagine la vie, pas comme ça. Pas comme ça qu'on imagine la vie. Putain, on était parfait, ils veulent pas. À chaque fois, ils veulent pas. Allez, attention, de retour. On réessaye, hop. Ah voilà, le Royaume-Uni refuse d'entrer en guerre. Super, voilà, ça y est, les Anglais viennent pas, ça y est, là c'est intéressant. Si la guerre, c'est maintenant qu'il faut régler la question, les Britanniques, mais vous reculez. Non, c'est maintenant qu'il faut régler la question. Hop. C'est maintenant qu'il faut régler la question.
ose me déclarer la guerre. Mais non ! Mais il est... Putain, j'étais heureux ! Mais on veut la guerre, the war ! Mais... Oh putain, il se croit malin, ce gros con ! C'est pas possible, mais quelle lavette, c'est Hitler ! C'est pas possible, trois fois qu'il refuse ! Putain, on veut l'affrontement, c'est comme dans la planète des singes, l'affrontement ! Bon. Oui, ça y est les gars, j'y croyais plus. Ça y est, oh, je m'endormais devant le PC, j'étais comme ça en mode ça marche pas. Le Reich rejette l'ultimatum. Viens. Ça y est les amis, waouh, j'en pouvais plus, c'est chiant, ça faisait que de refuser. Les Britanniques ils acceptent, ils refusent. Eh hey, oh, on voulait la guerre nous. Ok, c'est bon. Ok, c'est quoi cette guerre civile? Ok, ah ouais, c'est à peu près comme je l'imaginais, ouais, voilà. À ce niveau-là, c'est bon, c'est comme je l'imaginais. On va peut-être mettre un peu plus de troupes au Pas-de-Calais. Donc ok, voilà, guerre civile au Pas-de-Calais, et je pensais que c'était dans le Limousin, mais non, le Limousin est resté très fidèle. C'est pas dans le Limousin. Hop, on va ramener toutes les troupes qu'on peut là-bas. Allez, super, donc là, les amis, il va falloir très bien jouer. Qui est cet homme, Gaston Biot? Il sort de nulle part, lui. Ah, y'en a qu'on trahit. Non, De Gaulle l'a pas trahi, non, c'est bon, De Gaulle n'a pas trahi. On a perdu des... Non, c'est bon. Et sont restés côté français, c'est bien. Ok. Hop. Très bien. On peut même essayer d'avancer de cette manière. Et c'est surtout en Allemagne qu'il faut avancer. Et c'est là où, les gars, le plan est essentiel. M'ont motorisé, hein, c'est vraiment prévu pour ça. Doit foncer, les gars, en Rhénanie pour piquer les usines allemandes. C'était vraiment ça la méta, si j'ose dire, du jeu. Hop, on fonce avec le motorisé en Allemagne. Voilà. Donc là, hop, l'Allemagne n'est pas prête, les amis. Hein, ça, on le savait déjà. Mais du coup, c'est parfait. Hop. Voilà, vous voyez comme quoi la France, hein, c'est ce que je disais, on n'a pas le matériel, mais on a le nombre, les gars, et parfois l'union fait la force. Je parle pas de l'union soviétique, mais bien de l'union française. Merde, ok, ici ça défend. Ça défend ici, ok. Ah, c'est comme ça, ok. Hop, on tient bon ici. On a du support aérien de toute façon, voilà. Je sais pas avec qui sont ces drôles de communistes français, personne visiblement, mais tant pis, on les retient. Allez, hop, voilà, agrandissez votre aire de combat de merde, on va vous encercler en tous les cas. Tac. Ouais, c'est une cellule communiste, si vous voulez. Bon, on va pas s'en inquiéter. Allez, faut qu'on pique le matériel. Ok, l'Allemagne commence à arriver. Très bien, il est de notre devoir, les amis, de maintenant essayer de les encercler. Allez, là, c'est vraiment une question de vitesse. Go. C'est la fin du communisme. C'est bon, ils reviennent dans le droit chemin. Ok, allez. Ouais. Attendez, on est à un poil de les encercler. Allez. Plus on encerclera vite des Allemands, mieux ce sera pour la suite. Allez. Ok, c'est plus vers le nord que ça plante, là, la guerre civile. Il faut mieux la gérer. Ici, il faut les repousser. C'est trop long. Aïe. Vous voyez, l'Allemagne ne cesse pas marcher dessus, hein. Ouais. On peut leur demander un préabail, les Anglais, ou pas? Non. On s'entend pas plus que ça avec eux, en plus. Allez, faut que ça parte, ici. Ça tient bon, là? Allez, qu'il manque de matériel, ces Allemands, c'est pas possible, ils peuvent pas en avoir autant que ça. Aïe. Ok, les encerclements me font un peu peur. Ouais, vaut mieux se replier, je crois que la meilleure chose à faire, c'est de se replier. Ah, vous voyez quand même l'Allemagne. Ouais, l'Allemagne nous tient tête, complètement même.
C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On tient bon, on tient bon. On a réussi à avancer dans un premier temps, mais là, ils nous ont mis une petite... L'île, c'est fini pour eux. Non, pas encore. C'est vraiment Dunkerque qu'il faut qu'ils perdent. Non, c'est bon. C'est bon. C'est fini. Yes. Ok. Fini. 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 Écoute bien ce que je te dis. C'est fini. Écoute bien ce que je te dis. C'est fini. En tout cas, apparemment, c'est fini. On se les dit ensemble. C'est fini. Voilà, on a saisi le matériel. Ok. Bon. En Allemagne, c'est pas catastrophique, mais c'est compliqué, on va dire. Il faudrait juste réussir à bloquer tous les convois... Tous les convois allemands. D'un autre côté, il me faut aussi des usines militaires. Là, c'est pas une bonne idée ce que je fais. Hop, donc on va faire ça. On va réduire la consommation de pétrole. Tant pis, on va rentrer les bateaux. Ok, au moins, la guerre civile, les gars, ce n'est que du passé. Il n'y a plus de guerre civile. On est en paix à ce niveau-là. On va juste prévoir des débarquements en Allemagne. Stabiliser la ligne de front. Vous voyez, là, les Allemands, ils n'avanceront pas. Faut juste qu'ils perdent leur matériel qui s'épuise. Et moi, que je fasse des débarquements. Épuisez-vous, épuisez-vous. Et dès que je peux, moi, je lance une contre-attaque et je leur rentre dans le lard. Allez, go, 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 go. On a une invasion navale qui va se concrétiser. Allez, c'est ça, épuisez-vous, ils ont perdu combien d'hommes? 29 000, j'en ai perdu 30 000. Ok, ok, ok. Mais ils perdent à mon avis plus de matériel que moi. Bon. Ah, peut-être à cause des communistes, ma flotte a été divisée, c'est pour ça, je me disais, j'avais pas des bons navires depuis le début. Escorter les convois, escorter les convois. Ok, il va falloir mettre une déroulée et vous attaquer les convois. What the fuck? Non! Oula, grosse défaite dans l'eau. Allez, qu'on arrive à tenter un bon move quand même. Allez, là, on pète les sous-marins allemands. Bah oui, oui, oui. Oula. Allez, on la fume, la Kriegsmarine, là. On la fume. Mais what? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ah bah d'accord. Bon, allez, c'est bon, on tient bon. Il faut encore la diviser, cette Allemagne. On pourrait être ailleurs. Largement. Allez, là, on pourrait les encercler, eux. Wow, 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 wow. Assaut allemand en cours. On les repousse. Allez, qu'ils s'épuisent. Ils auront plus bientôt plus de fusil. Ok, c'est bon. On va les avoir, on va les avoir, on va les avoir, on va les avoir. Allez, qu'on les encercle, la bitung là au moins. Allez, qu'on ait un petit encerclement. Ok, ça marche, ça marche, ça marche. Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Oui, voilà, super. C'est ça qu'on voulait voir. C'est ça qu'on voulait voir. Est-ce que ça tient en haut? Ça tient, presque. Bon, c'est bien. Allez. Bam, salut, ouais, super, ok, c'est bon. Ici, on a une ligne à peu près stable. On a deux fronts à tenir, ça va. Allez, c'est bon, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien. Allez, épuisez-vous. Ok, deux fronts à tenir. Oui, 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 un bon move, un bon move. Non! Mais arrêtez de nous attaquer. Allez, en cercle, en cercle. En cercle, en cercle, en cercle, en cercle, en cercle, en cercle. Mais, en cercle, s'il te plaît. Le français en cercle. Oui, super, c'est bon. Alors là, ça va swinguer là, allez. Juste qu'on arrive à les encercler, mais je suis impressionné par la quantité de matériel qu'ils ont et que je n'ai pas surtout. En même temps, moi je n'ai plus beaucoup de manpower, donc là tous les hommes qui tombent ne sont pas remplacés, et ça c'est un peu gênant. Il y a du monde en Asie, je crois. Oui. Bon, bah voilà, pour gagner cette guerre, il faut libérer l'Indochine de toute évidence. Voilà, le Vietnam... est avec nous maintenant, et surtout, voilà,
Vous nous envoyez du monde, voilà, c'est très gentil les Vietnamiens, merci. Voilà, envoyez-nous du monde, vous êtes libres, c'était la condition du pacte. Ok, c'est bon, on a du monde à envoyer, super, merci. En vrai, heureusement qu'ils sont là, parce que là, on était dans une merde, pas possible. Il veut pas arrêter d'attaquer, lui, il force, là. Hein. Oh, putain, 7 divisions allemandes. Oh là là, oh là là. Oh, si on pouvait les encercler, 7 divisions allemandes, là, ça serait agréable pour le front. C'est le plan Steiner, allez, ça marche. Oh, putain, ça repousse l'attaque Steiner. Oui, 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 ça a marché, ça a marché. Allez, allez, alors là on devient des génies du game si on repousse l'attaque Steiner. Oh oui, 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 j'y crois de ouf. Oui, l'attaque du groupe Steiner a été repoussée. Ah, super. Ok, faut juste que l'encerclement tienne bon. Oh le move. Je sais pas ce qu'ils ont tenté comme assaut, ils ont tenté le diable. Super, super. Oh, j'en tremble les amis. C'est trop d'émotion pour un joueur comme moi là, ce qui se passe. Allez. Oula, hop. Non. Non. Non, c'était le coup parfait. Oh non. Ah bah flûte alors. Ah non, j'avoue que ça fout le seum. Là vraiment ça m'a foutu le seum. Putain, je sais même pas si on a réussi à en avoir un. Non, à moins qu'on peut encore encercler. Si on tient bon. Ah putain, ils ont tous évacué. Non. Oh, le move parfait. Bon, on avance encore un peu. Allez, putain mais vraiment. Allez, faut qu'on serve des encerclements. Ils ont pas plus de divisions que moi, ils sont en période aussi où vraiment, je crois que la crise elle est de partout en ce moment. Allez, vraiment, faut... Pareil à chaque fois, je crois que je peux me faire les encercler, c'est eux qui m'encerclent. Oh là 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 là, eh non, ils tiennent bon, les Allemands ils tiennent bon, mais là je crois que j'ai perdu trop de divisions que j'aurais pas dû perdre. Ça devient impossible de les encercler, vraiment je me suis merdé. Crah, j'aurais encerclé les 7 divisions, ça passait. J'aurais réussi à les encercler, 7 divisions, ça passait. Je peux la jouer beaucoup mieux que ça, cette guerre, je peux la jouer beaucoup mieux que ça. Voilà, ok, ça a encore pété. Très bien. Cette fois, on la joue beaucoup mieux. Notre guerre civile, on se foire beaucoup moins. J'aime pas parce que ça me désorganise toutes mes divisions à chaque fois. Ça, c'était pas spécialement prévu. Je pense que c'est pour nous faire chier plus qu'autre chose. C'est pas grave. Allez, hop, on y est de retour. Hop. Petit papa, voici la vie carême. Car te voici déguisé en soldat. Petit papa, dis-moi si c'est pour rire. Ou pour faire peur aux tout petits enfants, ou pour faire peur aux tout petits enfants. Ok, il y a déjà les premiers. Oui, super, voilà, le move il a réussi. Voilà, le move il a réussi, on est passé au camion très rapidement. Et c'est ce qu'on voulait. Tiens, il y en a juste un qui pourrait le retenir, lui à la limite. Voilà, super. Hop, voilà, ok, bien. Avec l'offensive Steiner, vous verrez que tout rentrera dans l'ordre. Également ici, si on pouvait aussi voilà, les encercler, ça aurait été pas mal. On va essayer vraiment. Bitume, c'est les techniques d'encerclement. Faut juste en fait là encercler le plus rapidement possible. C'est juste ce qu'il faut faire. C'est bon, on est bien. On commence beaucoup mieux que tout à l'heure. Tout est une question vraiment d'anticipation, je pense. Parce que là, vous voyez, on se laisse beaucoup moins surprendre par les événements. Et c'est beaucoup mieux pour nous. On n'a pas le temps de laisser les Allemands stabiliser leur ligne de front. Voilà, super, on a déjà encerclé les premiers Allemands. Hop, c'est bon, super. Allez, hop, voilà, on a déjà pris la ligne là. Super, voilà, ok, c'est beaucoup mieux. Vous voyez vraiment, si vous préparez bien en amont, vous aurez beaucoup moins de mauvaises surprises. Et c'est ce qui m'a joué, je pense, des tours la première fois. Ok, très bien, on a 90 navires, je m'en fous, je mets tout en une seule personne pour être sûr de bien surveiller ma flotte. Comment ça, 90 navires, c'est pas assez? MDR, il y a quoi en face?
MDR, mais qui veut nous faire chier vraiment? Avec la flotte communiste? Hello les amis, je suis le capitaine Iglo et je suis allé loin à pêcher de beaux colins pour Iglo. La flotte communiste, vraiment, on n'a pas 50% là? Il nous manque juste peut-être un petit sous-marin. Après, peut-être à cause de mon pétrole aussi, comme j'ai pas assez de pétrole, ma flotte ne s'impose pas en mer. Ça peut être ça. Ok. Ok, attention, ils reviennent là, les Allemands. Allez, encerclez-les, les derniers Allemands. Là, on a déjà fait de bons encerclements contre l'Allemagne. Vous voyez, ma guerre est beaucoup mieux préparée. Allez, ils reverront jamais ces Allemands. Voilà, hop, on les emmène. Allez, allez, c'est la fin. Non, putain, s'il vous plaît. Mais non, vous voulez pas se battre contre la flotte communiste, les gars. Vous étiez avec nous, mais... Ah, oh, la perte des Français qui tuent des Français, c'est triste, on voulait pas. Bravo. Allez, go. Dis-moi, maman, tu pleures et tu défailles. Ils ont tué petit père adoré. Ils ont tué petit père adoré. Oui, mon enfant, ils ont tué ton père. Pleurons ensemble, car nous les... Bon, mon avancée est pas pareille que tout à l'heure, hein. On est moins au niveau de Francfort, tout ça, là on est vraiment plus dans une optique de défense dès le départ. Mais c'est bon, nos lignes tiennent bon, les gars. Nos lignes tiennent bon et c'est extrêmement rassurant. Oh, c'est bon, ça part! Oui! Ok, go! Oh, bah, vous partez tous, hein. Alors là, allez, c'est bon, à la mer! C'est bon. Oui! Allez, c'est bon, ok, voilà, le désespoir de ce truc de merde là, je comprenais rien, supériorité navale de je sais pas quoi là. Allez, go! C'est bon, en plus on leur fait des dégâts de ouf. Voilà, on leur casse la gueule là, leur sous-marin de merde. Ok, on a pris Hambourg. Le port est à portée de main, hop. Hop, go. French débarquement, oui, ça passe. Eh oui. On s'en fout, on prend le port. Ouais, allez hop. On n'a pas le port, merde. Allez, go. On a tenté un bon move. Ça marche. Oui, ok, bien. Ok, on a repris le port là, comme tout à l'heure. Celui-là, il est important. Il est très très important. On va pouvoir lancer un merveilleux assaut. Je pourrais même retenter un débarquement, peut-être plus tard. On va encercler, les amis. Moi, je vous le dis, aujourd'hui, on va encercler. Allez, go. Allez. Lâchez pas le combat ici. Vous lâchez rien. Ok, on avance. Oh, allez, c'est bon. Là, la victoire est à portée de main. Eh bah, dis donc, tendu le combat, tendu. Hein. Allez. Ok. Allez, colonne, tout ça. On y va. Allez, ça passe. On encercle. Oui. Retire-toi, te dis-je. Et ne m'échauffe pas les oreilles. Voilà, ok, le retour, oui, we'll be back, ok, go. Allez, et on les repousse, dès qu'ils attaquent, on les repousse. Oui. Non, c'est bon, ils font que de me rencercler des divisions. Ça va marcher ici? Non, ça va pas marcher. Putain, ils avaient mis des troupes, les Allemands. Ah, c'est serré, hein. Oh, la vache, le combat, il est vachement serré, mais intéressant. J'ai l'impression que les Allemands, ils ont je sais pas combien de divisions. Et c'est le grand cirque, je regarde même pas ce que c'est ma division, juste lui dit d'attaquer et je vois ce que ça donne. Allez. À l'ennemi, elle dit bien clairement.
puissance, soldats prussiens. Non, mais non, mais non, mais n'importe quoi leur move. N'importe quoi. Mais je ne suis pas pressé, moi. Et alors moi je suis pressé, voilà. Voilà, voilà, c'est là. Mais... c'est fini, oui. Vraiment, j'essaie de renforcer à mort mon matériel, c'est peut-être ma seule option. Bon, faut que j'arrive à me mettre avec les Anglais, fusionner les... ouais. Réaffirmer la petite entente, non. Se rapprocher du Britannique. Intègre les Alliés, peut-être que ça pourrait m'aider de tenir et d'intégrer les Alliés. Parce que là, tout seul, je crois que je suis voué à un karma sans pareil. Hein. On tient bon, si vous voulez, mais... vous voyez, il regrade petit à petit, c'est ça qui est chiant. Ouais, ouais, au moins qu'on ait la Royal Air Force, vous savez, avec nous, pour... on a réussi à avancer, on arrive à tenir nos positions, on va dire, mais c'est le manque de matériel qui fait... qui nous bloque complètement, le manque de matériel. À moins que je laisse les Allemands vraiment épuiser leur matériel, je sais pas. Mais déjà, moi, j'ai même pas de pétrole, tout ça, c'est... enfin, c'est horrible, là, ma consommation, elle est horrible. Passez votre chemin. Moi, je ne suis qu'une enfant de la France. À l'ennemi, je ne tends pas la main. À l'ennemi, je ne tends pas la main. Tout en priant sous cette cathédrale, ma mère est morte sous ce porcher. Allez, go, go. Ah, putain. Ah ouais, non, mais là, c'est con. Ouais, ouais, super, ouais, super. Allez, relâchez le port, relâchez le port, relâchez le port. Allez, relâchez le port. Allez, relâchez le port. Putain, mais... comment ils peuvent tenir bon, c'est n'importe quoi. Avec toutes les troupes que j'ai, mais what? Non mais vraiment, hey, c'est des pinots mon armée. Oh. Allez, le port, le port, le port, le port, lâche le port. Lâche le port. Lâche... oui, c'est bon, on a repris le port. Super, on est bon, on est ravitaillé. Réaffirmer la petite entente. Ah, ce sera un bon move, ce sera un bon move. Ce sera un bon move. On prend la Tchécoslovaquie avec nous. Ah là, on a les Tchécoslovaques avec nous. Les Allemands, ils sont morts. Soit je prends les Anglais, soit je prends les Tchécoslovaques, mais les Tchécoslovaques seraient beaucoup plus utiles. On va essayer la petite entente. On va essayer la petite entente, et vraiment, si on arrive à tenir avec la petite entente, ce serait parfait. Parfait, parfait, parfait. Allez, go. Ah, parce que là... on peut totalement tenir. Ça, tenir, on peut, c'est pas le problème. Mais avancer, j'ai pas la technique, là. Alors vraiment, est-ce que... j'essaie de faire super gaffe, mais vraiment, je vois pas comment. Alors, avant d'aller plus loin, le sud. Allez, on gagne du temps, il nous faut juste la petite entente, là, et c'est bon. On est encore en 37. Rah, là, on n'arrivera pas à avancer comme ça autrement. Là, vraiment, je fais la technique du rat, la technique de secours. Mais autrement, je suis vraiment, vraiment bloqué. Allez, on essaie de compenser les déficits, mais les déficits sont tellement énormes que c'est très compliqué. Allez, les Allemands, ils ont perdu je sais pas combien d'hommes. Là, ils sont à 300 000. Voilà, allez, perdre des hommes encore. J'en ai perdu plus qu'eux, ce qui m'a encerclé finalement, encore une fois. Frappé à mort par l'une de vos balles. Frappé à mort par l'un de vos boulets. Frappé à mort par l'un de vos boulets. Mon père est mort sur vos champs de bataille. Je n'ai pas vu l'ombre de son cercueil. Frappé à mort par l'une de vos balles, c'est la raison de ma robe de deuil, c'est la raison de ma robe de deuil. Allez, qu'on tienne bon. Ok. Allez, la petite entente. Si la petite entente peut nous sauver la vie, pourquoi pas. Allez. Ils nous adorent les Tchécoslovaques. Nous, au moins, on cède rien à l'Allemagne. Et voilà. Allez, hop, on est courageux. Allez, on tient bon, on tient bon, on tient bon. On tient bon. Là, on est en mode attente maximum et observation. On est en stage d'observation, là, c'est... Allez, que la Tchécoslovaquie nous aide. Vous avez eu l'Alsace et la Lorraine. Vous avez eu des millions d'étrangers. Vous avez eu Germanie et Bohème. Mais mon petit cœur, vous ne l'aurez jamais... ouais. Allez, si on peut les encercler à Hambourg, c'est... oh oui. Oh le bon move, oh le bon move. Ils acceptent notre invitation. Oh le bon move, oh le bon move, regardez-moi ça. Oh là là, oh là là. Oh là là, oh là là, oh là là. On va avoir les chars allemands, on va avoir les chars allemands. Oh putain.
Oh putain, ce jeu, des fois, vous passez d'une déprime à un moment de joie absolue. Oui. Oh là là. Oh là là. Oh putain, ils sont prêts à entrer en guerre. Oui. Oui, bon bah voilà, eh ça y est, là, voilà, il fallait avoir les Tchécoslovaques avec nous, si les Anglais laissaient tomber, on avait les Tchécoslovaques, de toute évidence. L'alliance franco-polonaise. Ah bah, là, si on a la Pologne, ça pourrait être sympathique, en effet, ça pourrait être très sympa, moi je pense que l'idée est bonne. Ok, on va pouvoir les encercler maintenant. Oh, putain, on les a déjà encerclés ici. Allez, super, eh bah voilà, consolider le gouvernement, et ça peut être pas mal. Fusionner les ententes, inviter les Yougoslaves. Les Yougoslaves, ils pourraient nous aider ou pas? Non, ils pourraient pas nous aider. Inviter les Polonais. Ah, si on a les Polonais avec nous. Alors là, puisque les Anglais laissent tomber, les Polonais, venez avec nous. Ouais, attends deux secondes. On les a eu, il n'y a plus de char allemand. Ok, la Tchéco... Oh, la vache! Le move tchécoslovaque, incroyable, les gars! Waouh. Ok, bah c'est bon, là... c'est à la France de faire le travail. Hop, on arrive. On n'a rien foutu pendant longtemps, mais là, ça y est, on choisit l'offensive. Je choisis la solution offensive. Ouais, ok, offensive. Ouais, ça va très bien, on a compris. Offensive, je choisis la solution offensive. Offensive, je prends la solution. J'ai choisi, ça y est. Allez, essayez de nous repousser. Oh, j'aime bien quand c'est vert. Oh là là, oui. Ça y est, oh putain, et le désespoir qu'il y avait, mais bon, ok, bon, bah voilà, ok, encore une fois, je suis en priorité historique, hein, j'ai pas voulu glitcher à ce niveau-là, on est bon, ok. Oh, et ça m'a fait chier, hein, vraiment. Oh, il y a eu des hauts et des bas dans cette vidéo. Vraiment pas évident. Mais bon, là, on va pas se mentir, avec la petite entente, on avait les armes. Là, on a les bonnes armes pour gagner. Donc voilà, fallait juste rusher, en fait, je pense, une question d'alliance. Ok. Ah putain, ça fait du bien, là, de plus avoir cette Allemagne, genre, chiante, qui vous attaque de partout, là. Ça me rappelle Poirot, moi, à chaque fois, ce genre de vidéo, vous pouvez pas attaquer, vous devez subir. Ah, c'est chiant. Allez, go. Bon, maintenant, ça va être le rush à Berlin, je pense. Ok, allez, go. Allez, super, on les arrête tous. Ouais, on s'en fout, Gisèle, elle a servi à rien, voilà. Je vous demande si elle... Eh oui, et voilà, ils sont morts. Alors là, ils sont morts, les germaniques. Allez. Voilà. Est-ce que les Polonais veulent nous tenter un move incroyable? Non, mais bon. Ok, bon. Bah voilà, nous on a Berlin, on a tout ce qu'il faut. Francfort, on arrive. Hop, bah là maintenant, on va faire une grosse ligne d'assaut et on va foncer. Oh, putain, et bien joué De Gaulle qui a quand même réussi à tenir, en vrai, j'ai même pas de téléphone, j'ai rien, tellement que le soutien à la guerre est bas. Mais c'est pas grave, les amis, on a rien cédé et ça a payé. C'est vraiment le truc qu'il faut retenir. Ça fait plaisir quand ça se passe comme ça, bien fait Hitler, en 37 il est plus là. Voilà, il va aller nettoyer le parquet de l'Elysée. Allez, go. Ah, ça m'a déprimé. Déjà, le temps que ça prend à ce qu'ils acceptent d'entrer en guerre, les Allemands, pour en plus me battre, ça va pas ou quoi? Ah ouais, non, c'est bon, on a réussi un bon move d'alliance, hein, c'est ce qu'il faut, les gars.
et l'Allemagne s'est finie très rapidement. Voilà. Parlons bien, parlons peu, un petit traité de paix, c'est pas méchant, ça fait du bien. Ouais, moi je m'en fous, j'agrandis. On peut agrandir nos pays, je pense. Hein. J'aime l'oignon, fruit à l'huile, j'aime l'oignon quand il est bon. J'aime l'oignon, fruit à l'huile, j'aime l'oignon, j'aime l'oignon. Opa camarade, opa camarade, opa, opa, opa. Opa camarade, opa camarade, opa, opa, opa. Voilà la nouvelle Allemagne, les amis. Bien fait pour eux. Voilà, en vrai, la France, elle est pas dégueulasse. Ça s'est un peu agrandi. La Tchécoslovaquie, elle est un peu dégueulasse. Il aurait fallu que l'Autriche n'existe plus. Peut-être à la limite, ça aurait fait un gros truc. La Silésie. Et, oh là là, la Pommerie. Oh la honte. Les Allemands, ils sont divisés en trois. Ça sent la troisième guerre mondiale dans quelques années. Mais bon, voilà. Au moins, les Allemands, ils vont être bien sages maintenant. Ils vont plus faire de conneries. Nous, la France est resplendissante, ça leur apprendra à vouloir nous remilitariser, ce qu'ils ne devaient pas. On respecte Versailles, les gars, voyons, faut respecter Versailles. Mais bon, ça reste allemand. Mais c'est vrai que, bon, je leur aurais laissé ça, moi. Mais bon, je crois que les Tchèques, ils veulent pas de prochaine guerre. Bon, bah voilà. C'est parfait. La guerre est finie, on a un pays qui est très stable, très fatigué par la guerre, mais on a un pays qui est victorieux, les amis. Donc, la réponse, je pense à la question, est-ce que la France était prête en 36, la réponse, c'était non, parce qu'on manquerait tôt ou tard de matériel, mais c'était oui, parce que c'était 36 ou jamais, parce que vous avez plus les années passent, 37, 38, ça devient de plus en plus puissant pour l'Allemagne. Là, on n'a pas eu l'Anschluss, on n'a pas eu la fin de la Tchécoslovaquie, c'est pour ça qu'ils sont alliés avec moi d'ailleurs. Mais tôt ou tard, la France aurait manqué de matériel, elle n'était pas prête face à la militarisation allemande, mais 36, c'était mieux que plus tard dans tous les cas, donc valait mieux 36 que jamais. Voilà, je pense que c'est ça que je retiens. Mais on était quand même dans une sacrée galère, on était dans une guerre de position. Si à mon avis on avait fait une guerre en 36, ça serait plutôt une guerre de position que de Blitzkrieg comme en 39. Enfin bref, voilà, encore une fois, on a même réussi à encercler les chars allemands et tout, donc... Voilà, on s'en sort pas si mal du tout, les gars. Il y a quand même eu des morts, mais bon, maintenant, on a gagné quelques petits états dont on sait où on s'est battu. Ah, ils ont perdu pas mal de villes, hein. Franchement, là, j'ai inventé le 9-6, 9-7, 9-8 et 9-9 et le 100e département français. Allez, voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo. France victorieuse en 38. Ça va, je suis fier de la géographie française. Voilà, c'est fait. N'hésitez pas à faire votre retour en commentaire sur cette vidéo. Je répondrai aux commentaires avec un grand intérêt. Et on se retrouvera très bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain live. D'ici là, prenez très soin de vous. Allez, ciao et merci! Opa camarade, opa